De la houle venteuse et mousseuse ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon vendredi. Un vendredi 1er mars qui commence avec un temps couvert à pluvieux très doux. Il fait déjà un bon 11 degrés dans l'air. La température de l'eau sera adoucie 13 à 12. Cet après-midi, un temps couvert à plus pluvieux, une température à 12. Coucou. La marée, elle est actuellement en train de monter. Le plan haut est à 8h05 avec des coefficients de 60 plus 7. Et sur cette marée qui monte, le vent est onshore par le sud-ouest. Il est soutenu à fort. Là, il y a 4-5 beaufort établis, des rafales à Saint-Cy. Clapeau et Mouton déjà réveillés sur un plan d'eau qui est tout agité, qui est mal réveillé, mal fichu au sortir du lit océanique. Et on a une houle longue de 12 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest qui est déstructurée, qui est à la hausse, mais carrément moins grosse que prévu. Elle tourne en moyenne sur la bouée du ferré dans les 3 mètres, ce qui donne en termes de taille de vague ce matin à la Cano 2 mètres en déferlement régulier, 2,50 sur les séries qui rentrent fréquemment, 3 mètres sur les grossettes, pas plus, hein, c'est pas énorme. Par contre, c'est pourri, c'est nu, pas de surf, pas d'action. Même avec de la mobilitude, ce n'est pas bon. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir tout au long de la journée, avec du vent qui va se maintenir. Les prévisions à 9h, 3 mètres houle ouest à ouest nord-ouest, 12 secondes de période, vent de sud-ouest, 5-6-7, Beaufort. À 13h, 3 à 4 houle ouest à ouest nord-ouest, 13, vent sud-ouest, 5-6-7. Et à 17h, 4-4-5. Houle ouest, ouest, nord-ouest, 13, vent sud-ouest, 5-6-7. Pas de surf, pas d'action. Prochain point, tout à l'heure.